Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis Mbuyaku Telvis Donavan, enseignant de SVT-EEHB. Comme nous l'avons la coutume de faire, nous allons débuter avec la correction du devoir. Alors, on avait présenté un document qui montrait le régime alimentaire de deux individus représentés par les figures 1 et 2. La première question était d'indiquer celui qui a une mauvaise habitude alimentaire en précisant ses erreurs. Or, lorsque nous observons ces deux figures, nous allons nous rendre compte que l'individu de la figure 2 présente une alimentation beaucoup plus riche en aliments sucrés, avec très peu de protéines, mais beaucoup plus riche en aliments sucrés et presque pas d'eau. Alors, on devait donc trouver qu'il s'agit de l'individu de la figure 2 dont l'alimentation est trop sucrée. À la question 2, il était question de corriger donc les erreurs de celui qui s'alimente mal afin qu'il ait une alimentation équilibrée. Simplement, pour celui qui avait un coup d'œil, il fallait regarder l'alimentation de l'individu de la figure 1 et compléter tout simplement au niveau de la figure 2 en enlevant ce qui était en excès dans la figure 2. Donc logiquement, on pourrait enlever les boissons sucrées pour remplacer avec de l'eau et aussi lui fournir des protéines et produits laitiers, bien sûr les féculents. Donc l'individu de la figure 2 doit non seulement réduire son alimentation en sucre, mais maintenant apporter à son alimentation de l'eau, des protéines, des féculents, ainsi que des produits laitiers. C'était ça donc la bonne réponse. À la question 3, indiquer celui qui a donc une alimentation équilibrée et justifiée. Alors, il s'agit de l'individu de la figure 1 qui a donc cette alimentation équilibrée parce que cette alimentation comprend les 6 groupes d'aliments nécessaires pour une bonne croissance. Alors, à la question 4, déterminer l'IMC de chaque individu et tirer une conclusion. En vous rappelant que l'IMC se calcule par le poids sur la taille au carré en appliquant, alors l'individu A aurait une IMC égale à 22,3, tandis que l'individu B a une IMC de 31,22. Alors, avec l'âge de 14 ans, l'individu de A est dans la bonne marge de l'IMC. On va donc tirer comme conclusion que le sujet A a une corpulence normale, tandis que le sujet B est obèse. À la cinquième question, faire donc correspondre chaque individu AB aux figures 1 et 2 correspondant à l'alimentation. Alors logiquement, puisque l'individu A a une corpulence normale, ça veut donc dire qu'il a une alimentation assez équilibrée correspondant à la figure 1, tandis que l'individu B obèse correspond à la figure 2. Nous passons aujourd'hui notre leçon en commençant avec un nouveau module, le module 3, qui porte sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Ce module présente 3 familles de situations, dont la première est intitulée « Les problèmes de l'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre ». La deuxième famille de situations parle de la reconstitution de l'histoire de la Terre et enfin la troisième famille de la détermination de la structure interne de la Terre et de sa composition chimique. Alors, nous avons 3 séquences sur lesquelles nous allons épiloguer durant ce module et les 3 séquences portent sur le rayonnement solaire et ses influences à la surface de la Terre, l'altération des roches et ses conséquences, et enfin la structure et énergie interne de la Terre.
On est tous donc d'accord que nous allons travailler donc aujourd'hui sur la séquence 11 portant sur le rayonnement solaire et ses influences à la surface de la Terre. Et notre séance d'aujourd'hui porte sur l'origine de l'énergie reçue par la planète Terre. Et comme d'habitude, nous aurons comme plan de séance un objectif pour atteindre. Et pour atteindre cet objectif, nous allons parler, revenir sur quelques notions à connaître pour mieux aborder notre séance, auxquelles nous allons poursuivre avec une situation problème, à la fin de laquelle nous allons poser un problème scientifique et émettre des hypothèses, puis passer aux séances d'apprentissage portant sur justement l'origine de cette énergie solaire qui parvient à la surface de la Terre. Ensuite, nous reviendrons pour valider les hypothèses, évaluer si nous avons compris la leçon et on va se séparer avec un devoir. Alors, à la fin donc de cette séance, nous serons capables d'indiquer l'origine de l'énergie reçue par la planète Terre et d'élaborer un spectre électromagnétique. Pour ce faire, nous devons nous rappeler des notions sur l'âge de la Terre. Or, nous savons que notre planète Terre a un âge sensiblement égal à 4,5 milliards d'années. Et la formule de l'hydrogène, tout simplement le H, hélium, HE, et le dioxygène O2, puisque ces éléments vont intervenir dans notre séance. Alors, la situation problème. Nous savons que le Soleil est composé majoritairement de 91% d'hydrogène, de 8% d'hélium et de 0,1% d'éléments lourds, parmi lesquels le dioxygène. Alors, notre élève qui a donc appris cela se dit donc tout simplement que si le Soleil est donc composé majoritairement de l'hydrogène, alors si elle produit une énergie, cette énergie serait probablement issue de la combustion d'hydrogène, puisqu'on trouve d'ailleurs de l'oxygène aussi dans le Soleil. Son camarade se demande, et si nous n'avons que 0,061% de dioxygène dans le Soleil, est-ce suffisant pour que le Soleil continue à briller? Alors voilà notre situation problème. Nous avons donc deux camarades, dont l'un, ayant vu la composition du Soleil, se dit que l'énergie libérée par le Soleil proviendrait donc de la composition de la combustion d'hydrogène. Mais son camarade se demande et n'est pas peut-être d'accord que si dans le Soleil nous avons 0,061% d'oxygène, est-ce que le Soleil continuerait à briller aujourd'hui? Donc, le problème qui se dégage donc, quelle est l'origine de l'énergie émise par le Soleil qui vient en direction de la Terre? Beaucoup pourraient donc, à partir d'ici, avoir des hypothèses ou des propositions de solutions, notamment, entre autres, on pourrait penser que l'énergie du Soleil proviendrait de la combustion d'hydrogène, comme l'a dit notre camarade, ou bien que cette énergie proviendrait de la fission de l'hydrogène, ou enfin, une autre hypothèse, l'énergie du Soleil proviendrait de la fusion des noyaux d'hydrogène. Nous allons donc, avec les activités d'apprentissage, valider ou rejeter ces hypothèses. Commençons par la première hypothèse sur cette origine de l'énergie solaire. Alors, l'hypothèse émise ici est celle selon laquelle l'énergie solaire
et l'hypothèse chimique de l'origine de l'énergie solaire. À la fin de cette partie, il sera question de valider ou de rejeter l'hypothèse chimique de l'origine de l'énergie solaire. Et pour atteindre cet objectif, nous allons analyser et interpréter des résultats. Alors, la première hypothèse chimique dit que l'énergie solaire proviendrait de la combustion du dihydrogène en présence du dioxygène. Selon l'équation, H2 plus 1,5 de dioxygène nous donnera donc de l'eau avec production d'énergie. Or, selon cette hypothèse, le temps de vie du soleil, qui correspond ici au temps de brillance, est calculé par la formule T égale M fois Q sur L, avec bien sûr M qui est la masse du soleil, qui constitue les 2/18 de la masse du soleil, Q est égal à 14,31 fois 10 exposé 7, et L qui est la luminosité correspond à 3,9 fois 10 exposé 26. Alors, à partir de cette hypothèse, il est question de préciser selon cette hypothèse la source de l'énergie du soleil. Et si nous l'avons bien vu, on dit ici que l'énergie du soleil viendrait de la combustion de l'hydrogène en présence du dioxygène. On demande de déterminer, donc, selon cette hypothèse, la composition du soleil et son carburant. Si nous admettons que l'énergie est produite à partir de la combustion du dihydrogène, alors cela voudrait dire que le soleil est composé majoritairement de cet élément hydrogène et qu'il y a aussi la présence du dioxygène. Et le carburant serait donc l'hydrogène qui est brûlé en présence du dioxygène pour produire de l'énergie. À la question 3, si nous partons donc de cette formule T égale M fois Q sur L, calculer donc T qui est le temps de brillance du soleil en secondes, qui est trouvé en secondes, puis convertir en années. Avec ce rappel, il faut tout simplement appliquer la formule. Nous avons T qui est donc égal à M fois Q sur L. En application, nous avons T donc est égal à M, où on nous dit c'est le 2/18 de la masse du soleil qui est égal à 2 fois 10 expo 30. Et Q nous donne 14,31 fois 10 expo 7. Divisé par L, 3,9 fois 10 expo 26. Fallait juste appliquer ceci, et en appliquant avec bonne calculatrice, nous devons nous attendre à trouver 0,815 fois 10 expo 11 secondes. Or, on sait que 1 an en secondes correspond à 0,31 fois 10 expo 8, auquel cas, en divisant par 0,815 fois 10 expo 11, nous trouvons donc que le temps de brillance du soleil est de 2629 ans. On nous dit l'âge actuel de la Terre est de 4,5 milliards d'années, qui est inférieur à l'âge du soleil. Validez donc ou rejetez cette hypothèse émise en justifiant. Puisque nous avons calculé ici et trouvé que, avec cette hypothèse, l'âge de la Terre est de 2600 ans, cet âge, l'âge du soleil, de brillance du soleil est de 2600 ans. Or, le soleil étant plus vieux que la Terre, cet âge est inférieur à l'âge de la Terre. Donc, logiquement, nous allons rejeter cette hypothèse, étant donné que le soleil a existé avant la Terre.
On retient donc que, selon l'hypothèse chimique de l'origine de l'énergie solaire, cette énergie proviendrait donc de la combustion de l'hydrogène selon l'équation d'hydrogène plus 1/2 de dioxygène nous donne de l'eau avec libération d'énergie. Cette hypothèse nous permet de déterminer l'âge de brillance du Soleil à 2600 ans, ce qui est un âge inférieur à celui de la Terre qui est né après le Soleil. Alors, l'hypothèse est rejetée. La deuxième hypothèse est celle de l'hypothèse thermonucléaire de l'origine de l'énergie solaire. Et ici, nous allons aussi valider ou infirmer l'hypothèse de cette origine thermonucléaire de l'énergie solaire, toujours à partir de l'analyse et de l'interprétation des résultats. Alors, selon l'hypothèse thermonucléaire, au centre du cœur dont la température est sensiblement de 15 millions de degrés au centre du Soleil, les noyaux d'hydrogène peuvent fusionner entre elles pour former des noyaux d'hélium. On va parler de fusion thermonucléaire qui s'associe avec une libération d'énergie par rayonnement, électricité ou par vent solaire. Bien, selon donc cette hypothèse, l'énergie proviendrait tout simplement de la fusion thermonucléaire des noyaux d'hydrogène pour former des noyaux d'hélium. Et avec cette hypothèse, on détermine la durée de vie du Soleil par la relation T égale à E sur L avec E égale à MC carré. T est le temps de vie du Soleil, E c'est l'énergie totale libérée par la fusion thermonucléaire, L c'est la luminosité du Soleil, tandis que M correspond à la masse d'hydrogène perdu, et c'est la vitesse de la lumière ou la célérité. Alors, précisez donc la source de l'énergie du Soleil et déduis le carburant du Soleil. Alors, selon l'hypothèse de la fusion thermonucléaire, on va dire que cette hypothèse nous dit que l'énergie provient de la fusion thermonucléaire des noyaux d'hydrogène en noyaux d'hélium. Alors ici, le carburant demeure toujours l'hydrogène, puisque le Soleil est d'ailleurs constitué majoritairement de cet élément. Alors, sachant que E est donc égal à mc carré, calculez tout simplement E à partir de notre formule, nous voyons que E est égal à 126 fois 10 pour 42 joules. 126 fois 10 espo 42 joules. Avec ce calcul. Or, connaissant donc déjà la valeur de E, il est question maintenant de calculer le temps de vie du Soleil et convertir en années avec les données qui sont déjà présents et en application T égale à E sur L avec L bien sûr 3,9 fois 10 pour 26 et E qui est égal à 126 fois 10 pour 42 en exposant. En appliquant tout simplement on va trouver 32,3 fois 10 pour 6 secondes. Or, en convertissant en année, sachant qu'un an correspond à 0,31 fois 10 pour 8 secondes, notre temps de brillance du Soleil est de 1,4 fois 10 pour 10 ans. Donc, à partir de l'hypothèse de la fusion thermonucléaire, la durée de brillance ou de vie du Soleil est de 1,4 fois 10 pour 10 ans. Comparez donc l'âge obtenu en année à l'âge de la Terre et conclure. Étant donné que la Terre a 4,5 milliards d'années et que le temps de brillance du Soleil calculé par cette hypothèse est largement supérieur à celui de la Terre, on peut donc confirmer cette hypothèse parce que
cette hypothèse nous permet de voir que le soleil s'éteindra encore au bout de 10 milliards d'années. On peut donc retenir que l'hypothèse de la fusion thermonucléaire nous dit que l'énergie du soleil revient, l'énergie du soleil est issue de la fusion ou des réactions de fusion thermonucléaire des noyaux d'hydrogène pour former des noyaux d'hélium dans le cœur du soleil. Et selon cette hypothèse, la durée de vie du soleil dépend donc de sa réserve en carburant d'hydrogène et permettra que le soleil va briller pendant au moins 10 milliards d'années. Parlons de la composition du rayonnement solaire. Il faudra qu'à la fin, nous puissions relever la composition du rayonnement solaire. Et nous allons pour cela exploiter le document. Le document présenté est celui qui nous montre les différents rayons ou rayonnements qui partent du Soleil en direction de la Terre. On nous demande de relever les ondes constituant l'énergie solaire. Alors nous pouvons voir ici que nous avons 6 types d'ondes, donc de faible au plus grande longueur, nous avons les rayons gamma, les rayons X, l'ultraviolet, l'eau visible, l'infrarouge et les ondes radio. Voilà donc les 6 types d'ondes qui constituent le rayonnement solaire. Alors, déterminer le rayon les rayons qui atteignent la surface de la Terre. Nous pouvons tout simplement relever à partir d'autres documents où nous avons signifié ici le rayonnement atteignant la Terre. Nous avons donc ici un peu d'ultraviolet, tout l'eau visible, un peu de rayonnement infrarouge et toutes les ondes radio parviennent à la surface de la Terre. Donc nous avons totalement le visible et les ondes radio qui arrivent et un peu d'infrarouge. On peut donc retenir ici que le rayonnement qui part du Soleil pour la Terre est un rayonnement d'ondes électromagnétiques composé de 6 types d'ondes, notamment les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, le visible, l'infrarouge et les ondes radio. Revenons à la situation problème pour lesquelles nous avons deux camarades dont l'un, en observant la composition du Soleil, s'est dit donc que l'énergie du Soleil proviendrait de la combustion des noyaux d'hydrogène. Et son camarade n'était pas d'accord puisque selon lui, avec 0,061% d'oxygène dans le cœur du Soleil, est-ce qu'avec cela le Soleil brillerait jusqu'à nos jours? Nous avions donc posé le problème, quelle serait l'origine de l'énergie émise par le Soleil vers la Terre? Nous avions trois hypothèses dont la première était que l'énergie solaire proviendrait de la combustion d'hydrogène, hypothèse à rejeter. Nous avions la seconde, qui parlait de l'hypothèse de l'énergie proviendrait de la fission d'hydrogène, une hypothèse à rejeter. Et enfin, l'hypothèse 3, l'énergie proviendrait de la fusion d'hydrogène, et justement, c'est les réactions thermonucléaires, c'est notre hypothèse qui sera acceptée. Alors maintenant, vérifions que si nous avons compris notre leçon. Construis une phrase comprenant les mots ou expressions cœur du soleil, énergie, fusion thermonucléaire, hydrogène et hélium pour pouvoir comprendre l'origine de notre énergie solaire. Il faudrait bien que la phrase porte tous ces éléments. Alors, on peut dire que l'énergie du Soleil provient de la fusion thermonucléaire, notre premier mot est là, dans le cœur du Soleil, des noyaux d'hydrogène en noyaux d'hélium.
et énergie. Nous avons nos cinq mots ou expressions et expressions dans notre réponse. L'énergie du soleil provient de la fusion thermonucléaire dans le cœur du soleil des noyaux d'hydrogène en noyaux d'hélium. Nous ne saurons nous séparer sans laisser un devoir. Alors le devoir, nous avons le document qui nous montre comment est produite l'énergie solaire dans le cœur du soleil. À la première question, nous devons à partir de ce document montrer à l'aide d'une équation chimique simple comment se forme l'hélium au cœur du soleil. Préciser la conséquence énergétique de la formation de l'hélium et justifier la réponse. Et sachant justement que cette réaction s'accompagne d'une disparition de matière, préciser la matière qui disparaît et la conséquence de cette disparition sur la vie du soleil. Avec cette dernière question, nous arrivons au terme de notre séance. Et la prochaine séance va porter sur le devenir du rayonnement solaire à la surface de la planète Terre.